Je continue les commentaires du Shinjin Mei. Dans le Zen, quand on parle de la vérité, il ne s'agit pas d'un concept. Il s'agit seulement des conditions originelles et de l'équilibre entre toutes choses. Harmonie, équilibre. Cette raison, on attache tant d'importance aux zazen parce que on apprend dans notre propre corps, dans notre propre métabolisme, à créer l'harmonie et l'équilibre. Ensuite, le mental s'adapte, suit, se calme. Et donc, dans le 36e poème du Shinjin Mei, il est dit: il y a deux tendances différentes. La première, c'est Ken-hen, en japonais, qui s'oppose à la vérité. Et la deuxième, c'est Kon-tin, qui s'échappe de la vérité. Donc, c'est les deux tendances qu'on retrouve dans la pratique du zazen. Alors, souvent, Sensei les appelle Sanran et Kon-tin. C'est la même chose. Donc, Ken-hen, ça veut dire, c'est quand on a trop de pensées, qu'on est agité, qu'on pense tout le temps, qu'on bouge tout le temps, qu'on est toujours en train de combattre, toujours en opposition. Et donc, pendant la pratique, pendant Zazen, bien, ça se ressent, on est un peu tendu. On ne peut pas calmer les pensées, le mental. On a souvent envie de se lever et de foutre le camp en courant. Ça, c'est Ken-hen. L'autre manière d'échapper à la vérité, c'est Kon-tin. Kon-tin, c'est quand on s'endort. D'ailleurs, on est stable, on ne bouge pas, le mental est calme, mais on s'endort. Donc on perd la concentration, on perd l'éveil. C'est le cas de le dire. On parle souvent de l'éveil dans le Zen. Il est aussi utilisé dans son sens propre. Pour cette raison, pendant le Zazen, on doit garder les yeux ouverts. Même si les moines expérimentés peuvent très bien s'endormir les yeux ouverts. Et donc on a fait des expériences par des électroencéphalogrammes sur des personnes pratiquant Zazen. Et on a vu que s'exprimaient en même temps des ondes antagonistes, celles de la focalisation, de la concentration, de l'éveil, totale attention, et en même temps celles du sommeil profond. Donc on ne s'échappe pas, on est complètement concentré, en même temps relâché et abandonné. Sans tension et sans s'opposer.